Tu veux que je te fasse un appel direct, Nayones, ou... Oui, bien sûr, suggère, Poupon. Oui, bien sûr, si t'as des idées... N'hésite pas, n'hésite pas. Oui, je reste réceptif à vos critiques, à vos remarques. Ouais. Alors que le carillon sonne, voilà, je vais appeler Nayone en vocale exclusive et je vais lancer le jeu. Mince. Je vais lancer tellement vite que ça fait sauter mon interface. Oui. Voilà, donc ça déjà ça revient, c'est mieux que je puisse voir les messages. Comme ta cam fait regarder vers la droite, tu ne devrais pas la positionner à gauche de la scène? Bah, je vois pas trop l'intérêt, excuse-moi Poupon, mais... Bonjour, bonjour à Bon, tous. bonjour Nayone. Poupon qui me demande de mettre la caméra à l'opposé, mais pourquoi? Ça cache quelque chose d'autre, peut-être? Bah, au pire, vous verrez en clair mes notifs de Steam qui est pas forcément top, mais bon, bref. On m'a Ok, souvent fait cette remarque alors je... aussi, DNDL. Ouais, Ah, je ça me lance ferait regarder l'autoroute. vers le jeu. Ah oui, au lieu de regarder à l'opposé, pour vous, ça semblerait naturel de... Ouais, ça y est, je vois ce que tu veux dire, Poupon, d'accord. Ouais, j'aurais plusieurs scènes. Bon, là, ça fait cohérent, je te l'accorde, mais en 16/9, ça le fait pas. Je ferai ça hors antenne. Mais d'accord, ok. Pour le week-end prochain, je mettrai la webcam de l'autre côté. Ok. Je conçois. Merci pour la remarque. Non, mais... Je valide. Je vois ce que tu veux dire, Poupon. C'est pas grave. C'est pas grave. You flat out to do, Nene. Oui, bien sûr, j'arrive. On va Je sur un fais des truc leader. Bah, je réglages. prépare. Prends ton temps, je vais préparer le championnat déjà. Ok. Mythi joueur. Alors, en ligne. Créer partie. Tournoi. Alors, je lance le jeu. Dégâts en derby, moins justement, que ce soit un peu plus endurant. On est juste entre nous, hein, je mets deux joueurs. Oui, deux joueurs, c'est bien. Mais attends, faut pas lancer tout de suite le temps que j'arrive. Bien sûr, bien sûr. Non mais voilà, est-ce qu'on laissait ouvert ou fermé si... parce qu'il peut y avoir des trolls. Un peu de tôle froide, ça va défouler, oui. Oui. Comme dit Christella. Bah oui, ça défoule. Multiplayer. Oh, j'ai oublié d'allumer la manette. Extra. Option. Tac, 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 contrôle. Côté dans le désert, plutôt Oh, longtemps. Tu demandes faut à que je quoi configure les ça me touches. sert. Là, je vais. Je vais Configure tes juste. touches. Configure tes touches. Oh, je vais être vilain, je mets 6 tours de canal. Il n'est pas dit qu'on arrive en un seul morceau. Faut que je relance le jeu. Y a Il n'a pas pas de détecté la souci. manette. Ah oui, le vilain. Le vilain jeu. Il y a de Allons-y. l'endurance de course aussi. Alors, start Derby. button. Petit Et derby. paramètres. Oh, petit derby. Puis après, je Oh, remets ça les marche courses pas. derrière. Dans la ville. Je crois que c'est bon. Ah non, tout est réglé, c'est parfait. Ah, c'est bien. Et que je relance le jeu. Voilà, alors, multiplayer, online. Ça va venir. Attends, je suis encore à Attention. la conception des. Je te laisse faire, vas-y. Vas-y. Allez, on va finir sur un circuit proprement. Ah!
Continuer. Find game. Voilà. Vas-y. Alors, refresh, c'est deal. Type de voiture. Ah non, la même que moi. Comme l'autre. J'impose la même que moi, Anna. Au moins que ce soit équilibré. J'arrive pas à rentrer dans la partie. Attends, ça cherche. Mm-hmm. Je suis LSDN 2023. Ouais, j'ai trouvé. C'est bien. Mais ça bloque. Comment ça, ça bloque? Ça cherche. Vous avez un problème de pare-feu, monsieur, moi je le dis. Oui, un problème de pare-feu. J'ai réussi à jouer avec G il y a quelques jours, mais là ça veut pas. Mais oui, je reste ouvert aux propositions, Poupon. Je valide. Ah, bonjour, Fofan. Yébé. Effectivement, j'ai un problème de pare-feu. Bon, écoute, je te laisse faire une course tout seul, le temps que je règle le problème. Oh. Parce que le, ça a mis du temps. Bébé. Je retente. Je vais collecter. Find game. Find. Poupon qui taquine d'entrée de jeu. J'ai pas vu, je suis concentré à. Non, non, pas toi, excuse-moi. Non, ah. Non. Pardon, j'ai pas précisé, mais. Tiaka. Non, c'est autorisé, bon bah je sais pas. C'est bizarre, oui, comme tu disais, t'as pu jouer avec. Sinon, je peux héberger. Je vais héberger la partie, on va voir si ça marche pas. Pour tout un championnat. Ah, d'accord. Bah oui, c'est triste, 12 événements blindés, et j'ai bien bossé, je suis content. C'est okay, bizarre, alors, on a déjà joué entre nous, c'est ça qui est. Bah étrange. Oui. Oui. C'est bizarre. Oui. Bizarre en tant qu'étrange. Là, pareil, quand tu rebrasses les parties, tu me vois toujours pas. Je te vois dans la partie, mais j'essaie de rentrer, ça marche pas. C'est moi qui aurais le problème ? Bah, je sais pas. Attends, parce que quand je vais essayer les autres parties, ça marche pas non plus. Non, visiblement, il me fait pas d'erreur de pare-feu. Non, j'ai l'air de Windows. Je vais héberger bêtement une partie pour voir si ça marche. Mmh. Je peux héberger une partie. Find game. Anytype. Non, ça bloque. Ça bloque. Sac hublot. Bah, j'essaie de te rejoindre. Fais un serveur, vas-y, mais. Ok, je vais faire un serveur. Ça bah marche oui. Pas. On laissera tomber. Great game. Je vais faire un championnat donc. Tournament. Mais c'est pas de bol, MDL. Mais bon, quand la technique veut pas. Ouais. Quand la technique veut pas, la technique veut pas. Putain, y'en a qu'on des noms. L'autre, le Lions Technotrax. Ouais, c'est dommage. J'ajoute des circuits. Si passé, vous avez TS. Ouais. Ah ouais, bah 17 novembre, les 2 ans de la chaîne de Christella. Ouais. Bon là, ce sera la version américaine, ce sera ATS. Parce que vous savez que moi, je j'arpente pas les routes européennes. Je préfère l'exotisme. Si je puis dire, de l'oncle Sam. Il est où le Nyonnais? Oh, j'ai un Fladen 54. On pourrait croire qu'il est du département. Qui vient d'apparaître. Ouais, je mets encore une course. Ouais, vas-y. Un j'ajoute. Tac, tac, tac. Race. Forest. Bam, bam, City. Bam, bam, bam. Allez, 5 circuits. Après, oh my god. Moi aussi, j'espère toujours avoir une chance d'écraser Trump. Les ultimes des États-Unis d'Amérique et les gros camions. Voilà, ouais. J'ai hébergé une partie. Est-ce que tu vois? Il est haut. Putain, il y en a même qui arrivent à faire de la... des couleurs dans leur nom d'hôte. Ça va loin. Je te vois, Nayone. Est-ce que ça marche? J'ai pas l'impression, ça fait peur. Ouais. Ah, ça y est, ça marche. Oh my god.
Bon, bah ça marche, nickel. Tac, moi je veux la même voiture que toi, tu choisis. Alors je choisis la voiture là, de base, la petite R5. Alors ça me donne pas son nom. C'est la toute première. La Chili, d'accord. Voilà, la Chili. La petite de base. Il va y avoir du spectacle. Il y a 5 circuits de 3 tours. Je me déclare prêt. C'est parti. Ouais, go. Bim. Ça commence déjà. Ça commence déjà. Eh bien. Bim. Non, pas touche à mon pot de yaourt. Pas fistolé. Mais, ah. C'est qui mon bac? Je t'en peux passer. Vous voyez venir, vous. Tu essaies de me faire compression de façon César sur Cassou. Non, je m'enfuis. Je m'enfuis. J'ai gagné la course. Oh, il y a une explosion derrière. Pourquoi t'as percuté une. J'ai fait exprès. Ah bon. Il veut récupérer de la nitro en cassant des éléments de décor. C'est une bravo. Stratégie. Ben. Ouais. Mais ça paye pas pour l'instant. Parce que je m'enfuis. Toi, tu privilégies le tracé technique par rapport à la castagne. Mais je fais mon pilote de F1, moi, monsieur. Pilote de F1. On a déjà eu cette discussion. Hein. Si toi, tu pilotes pour la justice, moi, je pilote de justesse. Souvenez-vous des épisodes précédents. Je ne me souviens plus. C'est pas grave, c'est équipé. Ça te rentrera les années prochaines. Notre petit différent au volant. Là. Ouais. Je lorgne des barrières en bois. Oh là là. Le code de chantier. C'est le logo de VLC, l'excellent Vidéolan, le logiciel de multimédia. J'aime beaucoup. Non. Ah, ce nom me fait plaisir car je vais pouvoir te rattraper. Non, vite, redémarre vite. Nitro. Ah. Départ canon. Au secours. Là, j'ai fait gicler le diable. Je l'ai passé pas là. Prends des risques. Je me souviens plus. Le macho. Ah, il y a une barre ici. C'est horrible. Ça déstabilise. Non, elle est pas bien cette route. Je veux pas y revenir. Bon. Je ne te vois pas à l'horizon. Undel qui dit tiens, un conducteur du dimanche. J'ai gagné. Ça me rappelle les anciens jeux de Veralis, ouais, 64 avec mon papa. On se mettait à bout à l'autre de la carte et on se défonçait. Oui, il y a souvent. Alors moi, je, voilà, c'est pas mon truc, mais je sais qu'il y a beaucoup de détournements de jeux de course en jeu de carambolage justement, alors qu'ils ne le sont pas. Mais bon, c'est le plaisir est là, tant mieux. Il y a aussi la pratique de prendre à l'envers, en sens contraire, un circuit alors qu'il n'est pas prévu pour. Et vous me rappelez, je crois que c'est le troisième Colin McRae, simulateur de rallye. Il y avait un mode délire, moi ça m'avait marqué. On pouvait tirer des boules de feu avec la bagnole quand on déclenchait des codes délirants. Demolition, en gros, ouais, bah ouais, ouais, de la démolition, oui. Ouais. J'ai pris Malice. Voiture Malice. Après la tutu Malice. La suivante. Attends, quand c'est fait de briques et de broc? On peut changer la décalcomanie, je sais plus. Ah oui, il y a un petit avec peu de couleur. Avec oui. Je vais prendre couleur orange. Je suis prêt. Nous sommes prêts. 3, 2, 1, go. C'est parti. C'est parti. Un petit peu de nitro, on détruit un peu le décor. Oh, un peu beaucoup, j'ai déjà la moitié. Tout feu, tout flamme. Un aïonnet. Non. Aïe. Non, le tracteur, attends. Je me suis mangé un tracteur. Bah si, je conduis en faisant attention. Et là, le lionnet est devenu bon. Ah, ça fait pas mal. Comment dire, le fait d'essayer de faire une course de précision,
Ça me rappelle une épreuve de Interville dans les dernières éditions. Il y avait un jeu qui était terrible pour les candidats. Il fallait prendre le contrôle d'un tractopelle de chantier avec la mâchoire qui s'ouvre à la verticale. Il fallait essayer de manipuler un œuf à mettre dans son ramequin, là, dans le verre, sans le briser. C'était un truc de fou. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Ouais, mais je connaissais pas cette épreuve d'Interville. Je pensais que t'allais partir sur l'épreuve de précision sur Gran Turismo. Non, 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 là pour le coup, je faisais pas de parallèle avec un simulateur de pilotage, non. D'ailleurs, j'ai regardé le film, il est assez intéressant. Ah, tu l'as apprécié? Oui, ouais, ouais, il était pas mal. Mais j'avais plus apprécié le Need for Speed, en fait, avec. J'ai oublié le nom des acteurs. Non, je pourrais pas te dire, je suis pas cinéphile, c'est pas moi qui pourrais t'aider là-dessus. Sachant que Need for Speed, je sais plus si j'ai vu le film ou pas, je sais plus. Parce qu'il y a les Fast and Furious aussi, mais ça remonte à longtemps, donc. Mémoire effacée. Non, par contre, alors je sais pas si tu me rejoins dans ma critique de Gran Turismo, le film. À savoir que la scène de début là avec la police, la poursuite, pour moi elle est totalement inutile. Elle est amenée maladroitement et le message qu'il voulait délivrer a été fait maladroitement. Et moi j'ai compris l'inverse de ce qu'il voulait sous-entendre. C'est-à-dire que normalement un gars qui se dit pilote professionnel doit être bien dans ses bottes en dehors des circuits, quoi. C'est-à-dire être un conducteur exemplaire. Et là, t'as l'impression que c'est « Ah bah c'est parce que je suis bien piloté, je peux échapper à la police et faire n'importe quoi en ville. » Non. Ah. C'est pas du tout l'état d'esprit de Gran Turismo, ça a rien à voir. Là, pour le coup, ça aurait été propre à un Need for Speed, là je suis d'accord. Et j'ai pas compris. Ces deux minutes de scène dans le film Gran Turismo, ça n'aurait jamais dû exister pour moi. Et la vue intérieure, effectivement, comme tu disais, je suis cru en apercevoir une, justement. Mais c'est la vue sur le volant, je crois. Bah ouais, c'est pour ça que je suis pas enthousiaste à ce niveau-là aussi. Mais bon, il a le mérite d'exister. Hein. Franchement, le film est bien, mais il n'est pas parfait. Ça y est, t'as fini. Yeah. Je te vois, tu pars dans le décor, foufou. Ah là là. T'arrives quand même à boucler un tour sous la minute. C'est déjà ça. C'est bien. Ouais, ouais, ouais. Et on voit que t'as de l'entraînement. Je ne peux le nier. Allez, continuez. Une autre bagnole. Je monte en grade en fait. D'accord. Je vais prendre le 4x4, tiens. Je vais prendre la Roamer. Roamer. Je prends un bloquin, le Roamer. Je suis prêt. Let's go. Ah, le canal. Alors, j'ai pris des courses un peu au pif. Hein. Ouais, mais j'aime bien le canal. C'est souvent déjanté. Il est plus technique qu'il n'y paraît, le canal. Parce que se ruer dedans à fond les ballons a vite fait d'avoir un incident avec. Ah bah bravo, je fais le déménagement là. Bonjour, je suis livreur Amazon en buggy pété. Elle va se barrer. Ah merci. Parce que là, le champ de vision était quasiment nul chez moi. Je m'enfuis. Toujours la même stratégie. Reviens ici. Reviens. Tu me rattraperas jamais. Bim! Non, c'était ces citernes à la noix qui m'ont ralenti là, il y avait des citernes de fuel de mes deux. Aïe! J'ai surtout mis un coup de nitro. Au secours! Oh, je ne suis pas éboueur. Virez-moi ces poubelles. Oh, un petit saut, ça sera le bienvenu. Petit saut, il y a plein de sauts, oui, effectivement. Alors, où qu'il est le naïonnais? J'ai un naïonnais à emboutir moi. Alors, on fait les soldes, on fait les boutiques. Les soldes. On a passé cadeau pour Noël. Alors, pas la pression du tout. Allez. C'est pas comme ça si j'étais en train de lire ta plaque d'immatriculation arrière là, sans lunettes. Ouais. Je te mets sous pression, Dayonet. Renversant, n'est-ce pas? C'est l'arroseur arrosé. Où qu'il est? Ah, bah, ça y est, j'ai repopé. Ouais, ouais, monsieur translucide, on vous a vu. Ouais. Oh, il est fou. Il a tout démolé.
Non, c'est... Ah, ces citernes de fuel me ralentissent à 200%. C'est honteux. Qui dit pompon? Surtout que les vrais pilotes vie réelle perdent leur super licence s'ils conduisent mal dans la vie réelle. Oui, tu m'étonnes. Oui, bah oui. Ils doivent en toute occasion rester des gentlemen drivers, comme on dit en anglais. Ah, voilà, je me suis crashé. Gissement. Oui, j'allais dire. Est-ce que cette course je vais la rapporter ou alors tu vas faire un technique? Il remonte à là. Aïe, 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 c'était quoi cette réception à la noix? C'est censé être un 4x4, je le rappelle. J'ai du mal à conduire, oulala. Oui, ouch, c'est ça, Mdil. Aïe, vite, c'est le dernier tour, faut que je mette la pression, la naïonnais. Non, j'ai déjà la pression. J'ai déjà la pression. Tu l'as pas assez à mon goût. Citerne me ralentissent. Non. Oh, maudite merde, citerne. Non, si tu parles de citerne, merde, je suis à l'autre bout, vite. Ah, au taquet. J'ai plus de boost, j'ai plus de boost. Non. Je sens que je vais exploser leur corps autour. J'ai au moins ce titre glorieux à l'arrivée. Il est où le Naïonus? Il est où le Naïonus? Je l'ai pas dans le radar. Burp. C'est horrible, j'ai la pression. Je te vois apparaître, je te vois apparaître. Non, non, je le vois. Non. Le chat répond. Exactement, Réglisse. Eh oui, qu'en dis-tu? Mais encore. Et oui, Réglisse. Tu as parfaitement Réglisse, tu as raison. Ah, ça va jouer à 2 mètres. Ah, bah c'est fini. Enfin, je remporte au moins quelques points. J'ai percuté à la fin. Ouf. Ah, la bonne mousse pour moi c'était hier. Et j'ai meilleur, meilleur temps autour, le sage. Bravo. Ouais, intérêt que j'ai le meilleur temps autour. T'as vu ma remontada du dernier tour? C'était la folie pour moi. Monte en grade avec les voitures. Hop, un Dale qui dit vas-y réglisse, déconcentre-le. Excellent. Après le shaker. C'est quoi le shaker? Bah là il va me déconcentrer en bougeant la, le clavier, la souris. It's your shaker. Deuxième fois canal, tu me fais trop plaisir. Pourquoi? Ah bon? Bah là tu vois. T'as pris deux fois le canal, alors sûrement une variante, mais. On y retourne! Je dis oui, avec un autre bolide. Il va me lâcher, oui. Yeah. Je veux gagner la course. Adieu. C'est ça. Oh non, qu'elle se passe tous les décors. Oh non. Ça fait de la nitro, moi je peux m'enfuir après. C'est de l'intérêt hein, que je disais de partir premier en tête de la course. C'est-à-dire que si vous gérez bien, vous pouvez dégommer à votre aise les premiers éléments de décor pour vous récolter de la nitro et conserver votre tête, votre commandement de course. Conserver votre tête, je préfère garder ma tête. C'est ça. Aïe aïe aïe. Oh, je vais faire giga tremplin, je vais l'avoir dans le panneau. Oh. Non, au pied, ah dommage. Je pensais à un saut plus imposant, mais non. Ah, elle par contre, je trouve qu'elle atterrit mieux que le 4x4. Allez savoir pourquoi. Donc, pas dans le bon sens, mais mieux. Tu me rattraperas jamais, Naïonnais. Je vais essayer. Tu t'enfouis. Tu t'enfouis sous le sable. Oui, oui, oui. Si on veut. J'ai du mal à faire ce virage. Oh merde, sur traviole, c'est dangereux. Dans le canal où il n'y a pas intérêt à avoir des erreurs de trajectoire, ça peut coûter très cher. Oula, le truc, on le voit quand il a été brisé en deux. Par le dessus, là, le coup de la passerelle. Non, la citerne de mes deux. Voilà, qu'elle vire au dernier tour, parce que... Au moins, je pourrais sortir du canal pleine balle. Oh là là, la voiture, elle dérape à fond. Alors, il faut... C'est dommage, Oui, dommage quoi? Vas-y, non, vas-y, vas-y. Il faut savoir que, bien que ce soit un jeu arcade, il n'empêche qu'il y a un semblant, je dis bien un semblant de physique réaliste quand même, qui est conservé. C'est-à-dire que plus vous détériorez votre bagnole, bah, moins elle répond.
à vos ordres d'accélération, de tourner, de rester stable, etc. Il ne faut point l'ignorer. Donc ça fait tout le piquant des courses d'endurance. Quand il y a beaucoup de tours à faire, essayez de ne serait-ce que rallier l'arrivée est déjà un objectif en soi. Quel que soit le temps que l'on met et la position que l'on observe à l'arrivée vis-à-vis du podium. Oui, et... Tiens, je vais passer par là. Ça me change un peu. Ouais, c'est sympa. La voiture, je la malmène. Oh là là. Ouais, j'aimerais... Voilà. Ah, j'ai merdé. J'ai donné un mauvais coup de volant, symboliquement parlant. Ce débris a giclé. C'est là où je le récupère en vol. Ça aurait pu. Hein. Ça aurait été trop stylé. Équivalent d'une tête au football. Ah ah, trop bien. Kiki dit, Poupon, sans capot moteur, oui, ça améliore le refroidissement. Oui. Mais oui, ça aide moins l'aérodynamisme. Oui, tu m'étonnes. Oh là là, elle répond très mal, la voiture. Ah, j'ai pété un corps autour. Il n'y a plus de suspense. Je suis le meilleur. Bing bang bang. Alors il est où le Nayonus? Ah, ça va, t'es pas trop loin. Ouais, mais... Voir la course. Oh oh, on te voit du dessus et de devant. Moi ouais, je suis pas trop loin, mais j'étais loin quand même. Eh bien. Ouais. Bien. Vraiment ton tour, oui. Tour est très correct. Très bien. Ouais. Ah, j'ai quand même 34 points. Ah oui, c'est parce qu'on est que deux. Ouais, mais non, c'est bien, tu te défends. Ah, ouais. La ville. Shitty Central. Allez, le 4x4 pour 4x4 avec 4 roues motrices pour aller en ville. Je vais le prendre en noir. C'est Patty. Elle répond très la voiture mal. La voiture de Nayoli est mal polie, oui. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Attention, concentration maximale. Moi, je commence devant un poteau, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Préparation. C'était quoi l'astuce que m'avait enseigné Jay? Bon. Il paraît que c'est pas bon de rester pied au plancher dès le départ. Oui, c'est à zéro, faut appuyer sur l'accélérateur. Ouais. Ou faire des petits à-coups, il paraît que ça marche mieux, ça fait un meilleur départ canon. Ah, je savais pas. C'est ce que m'avait dit Jay hier, ouais, quand on était en duel. Alors, je sais plus dans quel jeu c'était le cas, je crois que c'était dans Need for Speed 4. Que justement il fallait accélérer juste à zéro sinon la voiture elle partait pas. Ah oui, il y en avait un tu pouvais caler dès le départ. Ça pouvait être vachement frustrant pour ceux qui maîtrisent pas. Te voilà Yonet. Bon, j'étais pas dans le bon angle d'approche, mais je t'ai vu de très près. Ah oui, il s'enfuit. Je m'enfuis très vite. Ouais oui, tu t'enfuis un peu trop vite je trouve d'ailleurs. Comment est-ce possible? Non, je suis dans le panneau. Boum. Alors, grande ligne droite, dommage que j'ai plus de nitro pour me relancer en début de ligne droite. Ça m'aurait grandement aidé. Où est-ce qu'il on est? On tourne la voiture. Ah, il est là. La voiture ne tourne pas, la voiture ne tourne pas, non. Ouais, on est quand même à haute vitesse, hein, je vois pas dire. Mais il démolit tout. Il n'y a plus d'arrivée. Mais... Le pire, c'est que ce que tu fais dégringoler, je me le prends derrière en pleine poire, mais ça fait bien, quoi. Ah merde! Bah voilà. Voilà, je vois plus la route. Ah, bisous, à plus! Ah oui, tu ouais, vas salut. Pouvoir manger chaud, Poupon. Ouais, c'est bien, bisous, à plus! Tu m'étonnes bonne que soirée. Ça va changer. Bon appétit. À plus de nourriture chaude. Ouais. Eh oui, d'ailleurs, je sais même pas ce que je vais me mettre sous la dent ce midi, tiens. Tu veux oh bah si tiens, je me suis fait avoir. Oui. C'était pas un élément destructible, c'était un pilier en béton, hein, en béton armé. Je constate surtout que t'es encore devant moi. Je vais te rattraper. Ah, je te vois. Je vois le Nayonet qui mange du béton, là, c'est bizarre. Que signifie? Vite, il me faut de la nitro, je dégomme ça. Oui, bien joué. Oui, j'ai bien joué. Et là, bonus vitesse. Oh non, pas bonus vitesse. Si, je rattrape Nayonet. Si, je le rattrape. Je suis à 200 km/h presque.
Dommage que j'ai pas de nitro à la sortie du virage. Ah, dernier tour. Ce suspense à son comble. Oh là, il a dégommé une voiture garée. Il est fou. Il essaie de me... Mais qu'est-ce qu'il fait? Je t'entends démolir des trucs en surface alors que j'ai plus de tunnel, moi. Mais j'en... Ah, t'es devant. J'ai un t'es devant. Bizarre. Oui, bah oui, j'avais pas d'obstacle, moi. Quelle idée de dégommer le décor. Je t'ai entendu faire bing bang bing bang bong. Tu vas pas me dire que ça va t'aider à accélérer, ça. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez pas déjouer les lois de la physique. J'ai failli merder mon chiot sorti de la station service. Bah, du coup, tu vas gagner cette course que je me suis encore viandé. Mais regardez l'état du panneau directionnel là au loin. Il est complètement de traviole, le panneau vert. C'est Niapo Niawak. Oui, je m'en fous. L'usage stratégique de la Nitro. Après ce virage en épingle, l'arrivée. La victoire. Ma victoire. Oui, il l'aura pas celle-là. Non. Oui. Et j'ai le tour plus rapide. C'est comme ça qu'on fait. Oh non. Déception. Aïe, la commande de Koteiti Expressina Silver pour me faire du bon café. Ah, t'as une machine. Bonjour la Jet, pardon, je t'ai pas salué. Bonjour la Jet. Oui, c'est bien, tu t'es commandé du matériel de boisson. Trop bien. C'est cool. Je suis prêt. Sacré la Jet. J'ai pris la Blaster Risque. Ah, j'ai pris la Banger. 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 En blanc. J'aime bien la Banger en blanc. Banger en blanc. Burp. Timberland. Ah, c'est la Syrie. D'accord, c'est les bois. Attention, 3, 2, 1, préparation. Comme ça, t'es par canon. Voilà, super. Ah bah, on a tous les deux bien démarré alors. Non, toi t'as bien démarré, moi non. Ah, mais bon. En fait, on fait une boucle là, je crois. Oui, je. Non, c'était difficile autrement. Il n'y a pas de point ou point oui. Comme un jeu de rallye. Faut pas de problème non plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on a déjà fait le circuit là. Ah, peut-être. Ouais. Oh, tu sais, il y a des variantes. Bon, le capot moins kicking là, du coup. Voilà. La voiture veut pas tourner. Ah. Pourquoi tu as pris une voiture sans volant? Une voiture sans volant. N'importe quoi. C'est l'horreur. La tuture qui part en ligne droite. Oui, je suis fou. Non, mais la voiture elle se pète ma tête. Là, t'es en train de faire des roulés-boulés. Et moi aussi d'ailleurs. J'espère que c'était pas trop vomitron pour vous à regarder. J'ai trouvé le Nayunus. Moi je vois chat perché, ton tour. Et Guigui fait, mais il est fou. Il fait des bons. Il a résisté. Oh, tu m'aimes que je te percute. Je fais mon vilain et je m'enfouis après. Viens. Ouch. Ah là là. Ah là là. Le sage est un champion. Mais oui, je suis déchaîné. C'est ta faute. Oh, la réception était douteuse. Merde, j'ai percuté la station service. Ah, fait boum. Ah, fait boum. Ah, attention. Petit coup de frein parce qu'après mais on finit. Pourquoi elle chasse comme ça? Pourquoi elle chasse comme ça? Aïe. La 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 la, j'ai gagné. Ouch. Ah, ça y est, on a terminé. Enfin, moi, toi, c'est encore autre chose. Oh la vache. On te regarde. Caméra de poursuite d'elle. Voilà. On voit la vue arrière de la tuture à Nayonet. Encore la physique du jeu. J'ai pas encore la physique du jeu. Ah bah, on a fait le tournoi en entier, c'est bon, t'avais gagné le précédent tournoi. Bon, et ben, je vais en héberger un autre.
Ouais, comme tu veux, tu peux en faire un autre, vas-y, je te laisse programmer l'autre. Mais c'est bizarre que tu puisses pas me rejoindre. Ça m'a oui. Cette histoire de tout à l'heure. Encore un souci de plus dans la technique. Alors, falloir que je réhéberge une partie, que je reprépare un tournoi. Mais oui, vas-y, prends ton temps, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Comment il fait le mec pour faire des couleurs dans son nom d'hôte? Oh non, mais il y en a qui sont malins. L'autre, il a un nom d'hôte en vert et en rouge. Oui, tiens, j'en profite de ce petit moment de flottement, un nouveau moment de flottement pour vous dire que je suis content tôt ce matin avant de démarrer mon direct. Je suis retourné rapidement sur les BB et Marble en stream. Et ça y est, j'ai pu déverrouiller ma forme en fraise pour la BB. Oh, bien. Je suis content. Maintenant, je peux dire quand je joue au BB, je ramène ma fraise. Ah, ah. Et... enfin bref, on verra dans le détail samedi prochain, mais je suis trop content. Depuis le temps que j'attendais à avoir la bille en forme de fraise parfaite, et la forme et la texture, ça rend trop bien. Ça rend trop trop bien. Après, il faut que je puisse vous la proposer dans les... Il manque quelques points pour que je vous propose un emplacement de bibi où vous pourrez choisir la forme fraise. Mais ça viendra assez vite. Si on fait une vingtaine de courses comme on a fait hier, la prochaine fois... on aura vite accès, enfin vous aurez vite accès à la bille fraise comme moi, donc c'est cool, c'est cool. Ça va, tu t'en sors dans la conception du championnat? Je suis en train de regarder tous les trucs qu'il y a. Vas-y, vas-y. Et Miss Iris Domina, Queen, oh là, il y a des noms. Alors lui, on ne sait pas. Là, il y a un Banzai. Là, il y a un Fladen 54, qui est peut-être de notre département. Hein, je rappelle, la Meurthe-et-Moselle 54 en Lorraine, c'est Nancy. Et DG, la direction générale, de quoi, on ne sait pas, mais la DG est là. Ils sont nombreux, visiblement, ouais. 4 de 8. Alors, toi, t'as dit, tu vises la poire. Voilà, j'ai hébergé. Une fois, comme ça, tu pourras dire que tu t'es pris plein la poire. Écoute, j'ai... ça viendra peut-être, ton retard. Je prendrais peut-être que les formes fruitées, ce serait drôle. Ce serait le sache, c'est bon. Il est là, le Nayonouche. J'arrive. Avant que quelqu'un ne prenne la place. Exactement. T'as peur, hein? L'intro. Ouais, j'ai peur. Ça y est. Voilà, super. C'est quoi la tutu? C'est quoi la tutu? On va commencer foufou. On va prendre la flat mobile. Il a pris sur la fin. Flat mobile. Oh, mais il est fou. Ah oui. Oh là 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 là. Alors là, c'est pire qu'un Dragster, là. C'est un avion de chasse sur eau. Ouais. À Timberland 2. Oh, ça va être technique, ça va être dur. Bonjour, Pop and Ripop. Merci beaucoup. Coucou, pour ici. C'est bien le cas. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Oui, ça attention. Va voler. C'est parti. Au revoir. Le mec, adieu. Le mec, il reste sur la ligne de départ, il attend que l'autre meure. Ah oui. Ah bah c'est une technique, hein, je suis désolé. Waouh. Et là vous comprenez pas, je conduis prudemment. J'ai perdu déjà un truc. Et voilà, je me suis retourné. Super. Je roule sur le côté, c'est impressionnant. Oui 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 oui, je confirme. Waouh. Non, la fin, c'est de le gratter à 500 mètres de l'arrivée. Mais... il faut bien partir comme une balle dans une trajectoire parfaite au dernier moment. Vu le tracé, c'est pas évident. Oh, le fond. J'ai vu ce que j'ai fait. Oui, j'ai vu. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci. Là, t'as pas besoin de me gratter. Je suis tellement un mauvais pilote. Et je force pas, j'y vais, vraiment j'y vais par à coup. Un petit coup d'accélérateur, bon bon bon. Et après je m'assure juste de la trajectoire. Merde, le volant m'a enquiquiné. Oh mon dieu, il y a toute la pile qui est tombée. Ça fait jeu de qui, mais un truc de fou.
En tout cas, elle freine bien cette voiture. Y a intérêt, oui. Merci Pumpman Repop, j'espère que tu vas bien. Alors qu'on fait les... Oh merde, j'ai merdé là. Oh, je vois le tracé à l'envers. Je le fais en marche arrière. Ah, vous avez vu, on voit les l'hélice du moteur, enfin du radiateur, c'est fou. Le vois un petit peu dans mon modèle. Il est où, Nayonet? Je suis loin, loin derrière. Il est marre. Oh mon dieu, regardez-moi ce bolide de fou quand même. Je m'en fous. Ouais. J'ai gagné. Et deux cocottes s'en vont au loin. Ouais, ça va, c'est cool. Bah merci beaucoup pour l'abonnement. Je me trompe, Pop and Repop. Mais ça fait... T'as pas diffusé de la semaine, je me trompe. J'ai pas souvenir de t'avoir vu en ligne, Pop and Repop. Bonjour, Pop and Repop. Je m'interroge. Mais merci tout plein. Effectivement, Christella, ça a volé. On voit le moteur. Alors, ah, c'est le Far West. Je crois savoir la suite. On va changer. Oh, on va rester avec la Flatmobile. Allez, soyons fous. Ah oui, il est complètement fou, Nayonet. Oh, il est pas raisonnable, ce garçon. Arrêtez-le. Ah non, c'est la campagne. Pardon, j'ai mal lu le tracé. C'est pas le Far West. Ça fait des semaines que j'ai pas diffusé, je suis pas passé sur Twitch non plus. Ah d'accord. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Nayonet, je veux dire. Pardon. Je vais bien dans la course. Oui, c'est surtout que ton nom en énorme devant moi. Ça m'influence à peine. Oh oh. Bah gagné, bah... J'ai fait un saut par la rivière, c'était nain. Bah alors. Eh, c'est très bizarre de faire des circuits avec la flat mobile. C'est vraiment étrange. Non mais tu fais un 0 ou 100 km/h en un dixième de seconde, ça fait très peur. Mais je pense que c'est une voiture test qu'ils ont gardé en fait les développeurs pour éprouver le moteur de jeu. Et voir s'il réagissait bien. Ouais ouais, c'est classique dans le développement des jeux de faire ce genre d'excentricité. Tu testes les extrêmes avant de mettre sur le marché ton jeu. Ah là, il y a un truc à faire. Non! Tu t'es crashé comme moi? Eh oui, très dur de partir pleine balle en stabilisant la trajectoire de la tuture. Du coup, là, je l'ai bien endommagé. J'ai refait deux fois ça et boum, il n'y a plus de voiture. Comme ça! Oh! Ouah! Je suis parti comme un avion dessus de l'eau. J'ai failli atteindre la rive opposée du lac. Ça aurait été bien d'ailleurs. Bah, c'était pas loin. C'était pas loin. Mince, du coup, j'ai tellement peur que je freine et je marque l'arrêt complet. Non, mais la voiture. Non, non, la voiture. Non. Voilà, c'est très dur de la garder stable. Vraiment. Ah oui, oui. Souvent, je laisse partir en roue libre parce qu'elle est extrêmement fugueuse. C'est n'importe quoi. Mais j'aimerais faire un tremplin de la mort qui tue, mais bien propre. Histoire qu'on rigole. C'est là où je vais faire crasher le jeu, tu sais. Voilà. Oui. Ça a été d'une violence inouïe. On n'a jamais vu ça. Mon dieu. T'es mort? Oui. Ah bah oui, il n'y avait plus personne à bord. Oui. Il est beau le lac. Merde, mais il est en tête. Je suis le mariole, mais j'avais pas vu que t'étais en tête de la course. Bah oui, je suis en tête. Je vais la gagner. Au secours. Non, mes voitures, elles me stressent là, non? Ouais. La voiture du stress. Merde, il y a trop de débris. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai pas le réflexe de freiner. Ah là 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 là. Il y a trop de débris là, je peux pas. Ok. C'est en version. Allez, c'est bon. Ah bah ouh bon. J'ai remporté la course. C'est peut-être parce que tu racontais des... Tu contentais de ton public d'histoire. T'as raconté moi des histoires. Des histoires de coq fraîché. Ouch. Oui, j'ai manqué. Mais tu vas revenir sur la route, Nunuche. Voilà, l'arrivée est là. Non, même pas, c'est pas l'arrivée. Non. Oh. Erreur. Et là, est-ce que la voiture est morte? Non, pas encore. Pas encore. On va l'achever. Oh,
Shrina. Mais non, mais je suis des bêtises. Mais non, mais... Hop là, stop. Ah, elle freine pas. C'est l'arrivée. Tremplin. Ah non. Ça, ça freine. Je me suis arrêté sur le tremplin. Oui, impec, j'ai géré la transition pro ces dernières semaines. Je passe du dev web au développement de solutions de l'industrie intelligente. Oh, oh bah dis donc. Alors, Christelle a dit, le médecin légiste va arriver sur les lieux de l'accident. Ouais, c'est ça. Mais ça l'est juste. Mais bravo, c'est bien, bravo pour ta transition professionnelle, Pop and Ripop. C'est bas, ouais. Puis c'est pas facile. Nous sommes... Oui. Nous sommes prêts. Enfin, je suis prêt. Allons-y. Alors, le canal avec une telle bagnole, je réponds plus de rien. Attention, prêt à partir, je lance la course. 3, 1... J'ai pas dit. Il faut le... Je peux même pas tourner, ta moquelle. Ah, je vois. Bah, tu me pousses. Exactement. Burp. Ça commence bien. Ouais, je l'ai entendu. Nous l'avons entendu. Je te passe pas au-dessus. Oui, je te dépasse pas au-dessus. Aïe, couille. Du coup, tu m'as envoyé dans le décor. Je me suis crashé. C'était horrible. Ah. J'ai des réflexes. Je crois pas. Il marche super bien. Nitro. Oui. Oh oui, je l'ai percuté d'une violence rare. C'est honteux. Je suis trop content de mon crime. Pardon pour la grossièreté. Violence routière. Plein de traces de pneus. Je l'ai dépassé. J'ai réussi. Oula. Tu t'es craché. Oui. On a entendu le... Je me suis recraché. Ouh, la station de lavage, elle est vicieuse. Déjà, avec un véhicule normal, c'est pas évident, mais alors avec la plate mobile, laisse tomber. Mon véhicule ne répond plus de rien. Oui, pareil que moi. J'ai ultra violent. Le... Ouais, le mécanologiste, ouais. Je suis en flamme. Oh. Bah, je vais pas tarder à l'aide, puisque je vais me faire comme bêtise. J'ai accéléré un peu trop vite. Oh. On voit des choses. Ah, j'ai pas de roue gauche arrière. Merde. Oh, je voulais le tuer. Il s'est réinitialisé, lui, là. J'ai réinitialisé. Oh. Oh, j'ai jamais vu la carte aussi haut. Oh. T'as vu la catastrophe que j'ai fait? Je me suis tué. J'ai fait pire. On a vu la ville, mais vue d'hélicoptère, en fait. C'est n'importe quoi. Alors là, ça va être clippé magnifique, ce truc. La séquence est mémorable. T'es quand même premier, bravo, hein, t'as fait un record du tour, bravo. Ouais, j'ai gagné, je suis allé plus loin que toi, avec la voiture en feu. Putain, il y a encore un tour complet à faire, non mais vous êtes fous. Attendez, j'ai essayé de faire quelque chose de beau, au moins. Ah non, c'est pas terminé, ok. Ah. Oula. Ben, elle fume tellement mal que... Attends. Fini. Voilà. Élimination. C'est de l'élimination. Coup. Non mais c'est incroyable, c'est la première fois que j'ai une vue d'hélicoptère du circuit, quoi. C'est dire à quel point je suis propulsé, mais alors, à 100 mètres de haut, c'était n'importe. Allez, soyons fous, envie. Le menu est bloqué, chez moi. Ah bon? Le jeu n'en revient pas. J'ai pas accès au menu. Après, il vient récupérer les morceaux de tôle. Alors ça, c'est marrant. Oui, il a le feu, oui. C'est ça, à l'arrière-train. Ah, zut. Là, t'as planté ton jeu. Bah, c'est planté sur la ton accident. Ah ouais. Race résulte. Bizarre. Ou alors bizarre, c'est alt tabulation, c'est pour provoquer les fenêtres Windows. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, ça change rien. Bon, bah, je vais faire un alt F4. Ouais, c'est dommage. Bah, je vais préparer. Tiens. Ah bah non, c'est vrai que tu me rejoins pas. Non, tu dois préparer le truc. Alors attends, je vais faire un petit pissou rapide. Je reviens dans 2 minutes. T'as le temps de préparer un championnat. À tout de suite. D'accord. Hi, hello, Soti. Retourne rapidement aux toilettes.
réglisse. Et là, il est par terre, réglisse. Hop. Tiens, reprends-le. Alors, tac. Je suis en train de me battre avec mon chat, il m'empêche de... Ah! Il prend la place sur le tapis de souris. Alors. C'est player. Allez, race, forest. Je vais prendre un preset, ça sera tellement mieux. Voilà. Hop là. Alors, que je regarde ici le jeu. J'ai pas encore préparé, mais j'ai bientôt fini. Merci pour le... Voilà, c'est bon, c'est préparé. Ah, il y a Soti qui demandait s'il pouvait nous rejoindre. Ah bah, c'est ton... C'est toi qui décides, le sage. Bah, est-ce que toi, tu dois modifier ton serveur sans tout casser? Est-ce que tu crois que tu peux changer le nombre de joueurs? Ah bah, c'est ouvert à 8. T'as ouvert le truc à 8. Ah bah ok, oui, ok. Ouais, j'ai yes, ouvert le truc à 8. You can, Soti. It's a Nayonette. Yes, you're welcome. You can join us. Ah, il y a un cadavre. Oui. Il dit ok, Soti arrive. Oh, fun, t'as malonné. Ah bon? Oh. Ah, non. Bah, tu fais un jeu de mots sur le pseudo, ça y est, je viens de comprendre. Qu'il est bête. Mais qu'il est bête. Changer de tuture. Je veux y aller en bûche. Ah non, on peut pas. Ah ah! T'as choisi la classe débile. J'ai pas choisi, j'ai choisi un tournoi tout fait en fait. Ouais. Je vais prendre la splitter. Bonjour ange de lumière. Alors, Soti nous dit I have an old bash laptop because the rollers will take a long time to load. Il faut un temps de chargement long pour Soti. Oui, ok. Bonjour ange de lumière. Ah, attendez, pardon. Je vais expliquer à Soti qu'il faut avoir un exécutable modifié. Ah oui. Je sais pas s'il le sait. I'm not sure, Soti, but do you know you must to have. Je sais pas si ça se dit en anglais. You must have ou to have, sorry. A special executable fire. So, flat il est là, c'est bon. Willy? Il est là. Oh, wonderful. Il est là. Ok, nice. Now, go. We are ready. Attends. Faut attendre qu'il se prépare. Hein. Il choisit sa voiture. Wait, choose your car. Ok. Choisis ta voiture. Yeah. Laptop of victory. C'est parti. Ah. My joypad. C'est parti. Hey. C'est parti. Waiting for players. À l'américaine. Ladies and gentlemen, start your engine. 3, 2. En attente de l'autre. En attente des joueurs. 2, very long. 1. C'est vrai que ça marche pas. We are all dead. Sorry. Oh, ce serait l'ordi de Soti qui ralentit à mort. Ouais.
It was a Sotis laptop effect. War on the road. La guerre sur la route. Down, down the street, Ballon. Voilà, je te dépose dans les pubs. Tu l'as toi aussi dans le panneau. Je suis fait dépasser par un cadavre. Oula, quelle horreur. On a retrouvé Jeanne Moreau. Ça part très mal. Ah, il y a trop de débris au secours. Là, c'était trop long une seule fois. Oh, un aïonnais en difficulté dans les travaux. Qui se réinitialise. Pouchette. Pouchette un aïonous. Ça sera mon dernier tournoi pour moi. Okidoki. Oui, oh, ce chassé croisé de ma boule. Oh là là, tu t'es explosé dans l'entrée des stands, malheureux. On t'a vu sur le radar. Ta flèche pointée à l'opposé de la du change de la course. Merde, j'ai voulu faire balancer ma voiture, j'ai merdé mon coup. Ah, new game Dark Souls pour l'ange de lumière. Merde! Ah, je m'attendais pas à ce qu'elle parte en dérapage en freinant. Du coup, Soti m'a rattrapé. Oula! Oula, là, faut pas que je coupe trop. Oh, c'est la folie. Oh, j'ai propulsé, mais alors j'ai satellisé un pneu là, je sais pas si vous l'avez vu. Je pense que le le mec qui est dans la nacelle là de la montgolfière, il va récupérer le pneu dans sa gueule. Vu la violence avec laquelle il a été propulsé à la verticale. Ah, cette huile traîtresse. Et je connais la louche. Allez, virez-moi ces échafaudages de travaux. Faites place nette, on arrive. Faites place nette, c'est un commentaire de... d'une unité dans... Conquer Général. Je ne suis pas une unité, monsieur. Faudra qu'on rejoue ensemble la Command & Conquer Général. Ouais. Ah oui, oui, j'attends toujours, moi. J'attends que tu donnes ton feu vert. Ah, il faut qu'on se programme ça, alors. Peut-être pour le week-end prochain. Ouais. Ah, bonne idée. Ça, ça changera un peu au niveau contenu de la chaîne. Ça prend une bonne surprise. Ça me plaît. Oh, la cocotte, comment qu'elle a giclé sur la passerelle. Ah, vite, c'est le dernier tour et je suis avant-dernier. C'est honteux. Je veux gagner cette course. Je fonce pleine balle à 200 km/h, nouveau record battu autour, je suis déchaîné. Ah, le corps est déchaîné. Ouais, je pilote bien là, excusez-moi, mais... Je sais pas, doucement. Ouais, j'ai bien géré l'huile, j'ai pas tourné. Attendez, pardon, je vous lirai à l'arrivée dans le chat, je vois que ça bouge un petit peu dans le chat. Sortie du virage serré. Aïe. Ah oui, surtout à la sortie des travaux là. Parce que ça casse bien le rythme des travaux. Oh, qui c'est qui a franchi l'arrivée en vainqueur? J'ai tant que. C'est des points à moi. Oh. Ah merde. Vous pilotez bien, j'arrive pas à vous rattraper. C'est fou ça. T'es devant moi le sage, tu pilotes encore mieux que moi. Bah je suis avant-dernier. Eh ben dis donc. Nos invités sont très bons. On est des petits joueurs comparés à eux. Waouh! Sweetie, you are a professional. Viens de faire un roule.
viens de faire waouh le chat. Ah oui. Naïné, ton chat n'en revient pas, le petit réglisse. Wonderful. Ça va être encore une partie express, dit Funfan. Oh, peut-être. Mais j'étais beau. Wow, GG. Almost the best lap. Je vais prendre le roamer encore en tout bleu. Je suis prêt avec le roamer, moi. Motor Raceway. Ah, c'est circuit automobile. On va prendre de l'autre. On attend des joueurs. The Sooty Lap Stop Effect. Before the start, you can take a shower. Tu peux prendre une douche avant le départ. Jolie cette verdure de nuit. Oui, avec mon 4x4 du coup je suis dernier. Je vais avoir la motorisation la plus faible. Mais j'aurai plus de talent. Je vais vous mettre la pression. Jusqu'au bout. Oula, ils détruisent fou. Ils sont fous. Au secours. Wow, c'était quoi l'explosion au sommet de la montagne? J'ai pas compris là. Il y a un pipeline qui a giclé ou c'est moi? J'étais un clin d'œil à Far Cry 2. Oui. Far Cry 2. Nyon. J'ai envie de dire de mon côté c'est un peu trop peinard. Alors, ce tracé est très beau. Ah, je voulais jouer la stabilité avec le 4x4 mais il manque vraiment de la puissance moteur. Ouch. Je serais même pas me demander avec les 4 tours s'il n'y a pas l'un d'entre vous qui va trouver le moyen de me dépasser d'un tour. Ouais, je pilote bien tout le temps, mais ça suffit pas. Je connais du circuit par cœur, c'est important. Vie. Oh, t'imagines, je sais pas si ça existe, le jeu qui est programmé pour te générer le parcours aléatoirement sous tes yeux, c'est avec 150 mètres d'avance, de manière tout le temps aléatoire à chaque fois que tu joues. Donc ça, personne ne pourrait se vanter de connaître le tracé à l'avance. Ça serait flippant quand même. Ça serait marrant, ça serait comme... ça existe déjà ça, les trucs procédés. Ou bien après, c'est une fois que c'est tracé, ça... Mais les premiers jeux... circuit de rallye. Et pas de génération aléatoire de circuits, justement. Si, il y en a quelques-uns, je crois que tu dis vrai. Un Paris-Dakar, justement, je me demande si... Ah, merde. Je me demande si s'il y a pas de ça, ça me dit vaguement quelque chose. Il y en a qui avaient rusé en fait au niveau de la technique, c'est parce que la console était assez limitée à l'époque où les ordi étaient assez limités. Et à défaut de pouvoir fournir du contenu à l'avance, il fallait générer aléatoirement en lançant la partie. Je suis arrivé en fracas. Je suis arrivé en fracas. RT fracas. Bon, bah, je vous confesse regretter mon choix de tuture. C'était pas drôle pour vous, je suis désolé. Bon. If there was 5 laps, I would have been overtaken. Oui, il y aurait eu 5 tours, il m'aurait dépassé d'un tour. Ok. I understand. Tu joues Force Toi. Quoi? Force Foi?
Magie, pyro. Ah oui, non, oui, vous parlez entre vous de. Oui, de Dark Souls, pardon. Je comprenais plus. J'ai joué de la magie en voiture, là, je pigeais plus, là. J'ai devenu tout fou. Vengeance! Moi aussi, je prends la Vénon. En jaune. C'est parti. C'est parti. T'as pris que les circuits automobiles. C'est la folie. Vengeance! Alors, le jeu de course de voiture qui génère aléatoirement le tracé durant la course est Trackmania. Ah ouais! Oui. Tiens, c'est marrant, je crois que c'était pré-conçu Trackmania. Bah, peut-être le dernier en date, il est aléatoire. Ouais, il est sur cette logique-là. D'accord, ok, merci pour l'info. D'accord. Je ne savais pas. Ah, j'ai accéléré au mauvais moment. Faut pas accélérer en plein virage. Ouch. Waouh, les débris m'ont bien perturbé. Ah, mais sors de là, j'ai un truc sous le châssis, ça avance plus. Non. Je veux pas perdre la course. J'ai potentiellement la meilleure bagnole, donc là, je vous dis pas l'humiliation si je suis dernier. Tu dois arriver, le sage. Tu dois y arriver. Je suis le deuxième. Oh là là. Ça va pas durer. C'est moi qui vais prendre cette place. Attention. Ah, bien. J'ai eu un petit peu de nitro. C'est pas pour me déplaire. Voilà, sortie du virage en épingle, relancer à la nitro, ça aide énormément. Oh, je vois un lionnet. J'ai un lionnet à vue. T'as un lionnet à vue, tu dois être facilement dépassé. Oula, oui. Ah, c'est ton capot que tu viens d'arracher. Ouais. J'ai vu un truc bizarre. On est passé près de la bagnole. Ils sont pas loin les concombres. Du suspense. Il y a du suspense. Oh. Allez, ça délibérément je le percute pour gagner de la nitro. Stratégiquement bien joué de ma part, vous l'aurez convenu. Alors essayons de rattraper les autres qui sont les grands champions là. Attention à l'île. J'adore la pleine lune sur ce tracé, c'est magnifique. Non, 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 je suis hors piste. Je suis arrivé beaucoup trop vite dans le dernier virage. Faute. Où est-ce qu'ils sont les autres? Mais je les vois pas. Ils ont mis un tour. Ah non, mais c'est des professionnels, les gars. Alors là, pour le coup, on a trouvé des vrais pilotes de F1. C'est, j'en reviens pas comment ils pilotent bien. Ah! J'aime bien la structure effondrée par où je suis passé précédemment. Ah, vite! Ce qui me froisse un peu quand même dans le jeu, c'est le. Qu'il n'y ait pas d'effet à cause du dérapage, de gagnage ou gagne de nitro. Ah oui. C'est vrai que le dérapage maîtrisé soit récompensé, d'accord. Oui. En nitro fraîche. C'est le cas dans Need for Speed Hot Pursuit, dans Metropolis Street Racer. Là, je comprends pas le choix des développeurs. Je peux pas répondre à leur place. Je ne fais pas partie de l'équipe de développement, mais ils sont trop forts ces garçons. C'est honteux. GG. Finished. Ah, je suis pas dernier. Finish. Arrivé, pardon. Finish. Voilà, les anciens sont les plus nuls. Ah mon dieu. Attends, accélération 7-4. Non, la meilleure accélération, la Venom.
Elle est excellente, la Venom. C'est fou, ça. Il y a moins un coup. C'est parti. Oh, bah attends, j'attends que tu boives ton. J'attends que t'aies fini de boire ton coup. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète pas. Merci. Je vois la montgolfière, j'y pense. Tu es au courant de la triste nouvelle, Nayonen, nous concernant dans notre région? Non. Chamblay, les montgolfières, ils ont fait faillite. C'est fini. Ah merde. Ils ont vendu tout le matos. Ouais, ouais. Ils ont vendu tout le matos qu'ils avaient en réserve. Ils sont plus rentables. Ils ont mis la clé sous la porte cet été. C'est triste. Le célèbre défilé de montgolfières en Lorraine de Chamblay, c'est foutu. Et pourtant, c'était réputé au-delà du pays. Mais qu'on du mot mondialement, oui. Ouais, c'est triste. La crise économique aurait eu raison du festival de montgolfières de Chamblay, donc je sais pas quelle autre région du monde pourra organiser ça. C'est vraiment triste pour nous. J'y étais allé 2-3 fois en famille quand j'étais plus jeune. Mais je suis jamais monté dans une montgolfière, ça m'intéresse pas. J'ai eu la chance de faire une fois un avion 4 places. On va dire un gros Cessna. Quand j'étais ado. On m'a proposé l'hélicoptère, j'ai refusé. Et la montgolfière, on m'a jamais proposé, mais ça m'intéresse pas. Non, je suis content d'avoir fait une fois un petit avion dans ma vie, ça me suffit. Ouais, c'est cool. Après, les aéronefs, c'est pas mon kiff. Simulateur de conduction, de pilotage d'avion, c'est pas ton truc? En vrai, comme en virtuel, non. Je sais pas. J'ai peu de plaisir, malheureusement. Là, on pourrait croire, moi qui vous dis que j'adore le contemplatif, mais non. Non, non. Le contemplatif du ciel bleu ou de la mer, au bout d'un moment. Sans les mains. Encore une victoire de canard. Encore une victoire c'est de ça. Canard. Encore une victoire de canard. Encore une victoire de canard. Pas mon lieu. Aïe 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 aïe, j'ai failli me péter le châssis du camion. Aïe. Mais c'est pas possible, je suis encore bon dernier. Mais c'est honteux, je suis mauvais aujourd'hui. Et précédente course, tu étais bon. Oui, c'est mon gadin là qui m'a fait perdre du temps précieux. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots de laine. En passant par la Lorraine. Je suis au sens contraire. Avec mes sabots. C'est une catastrophe. Bip. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Avec mes sabots de laine. En passant par la Lorraine. Ça y est, déjà fini le gars. Oh mon dieu. Il m'a doublé d'un peu. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Merci pour l'équipe. Avec mes sabots, on est bon. En passant par la Lorraine. Oh. Avec mes sabots. En passant par la Lorraine avec mes sabots. En passant par la Lorraine, j'ai l'argent avec mes sabots. Bon, décidément, ma tuture, elle passe pas plein. Ah oui, le putain des travaux. C'est ça. J'ai le même problème. On va lire ça. Oh, pardon. Je l'ai tué à l'arrivée. Yalas. C'est n'importe quoi. Ah, il y a sans nom qui s'est connecté. Bravo. Ah, oh, ce jeu de fou. Alors, Torota dit, enfin, je suis monté dans un simulateur d'hélicoptère de l'armée. Wow. Wow. Je vais devoir vous laisser. Ah ouais? Oui. Oh, attends, il reste combien de courses? Non, ça va être trop juste. Ouais, tu fais juste celle-là, mais tu nous accompagneras pas pour la dernière. Voilà, ouais. Ok. Mais le problème, ça va quitter là, je peux pas changer d'autre. C'est si. Pas grave, non. Ah si, je crois qu'il y a un passage de relais, tu pourras quitter sans trop de soucis. Mais non, mais sinon, c'est pas grave, ils comprendront. J'ai bloqué qui? C'est toi le sage? Non, moi j'ai pu partir plein de balles. J'étais dernier, je suis premier maintenant. Merci qui? Merci Nayone. Je vous ai tous eu. Mais qui?
En fait, j'ai pas démarré à fond. Ah oui, alors. Non, puis on se retrouvera tout à l'heure. Tu me rejoindras en début d'après-midi pour la pour commenter la promenade. Je sais pas si vous entendez. Oh là, mon chat qui est en train de parler. Bon, il a des choses à avouer. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi ça a explosé quand j'ai repercuté l'objet. J'ai propulsé sur un truc réservoir d'essence. C'était trop bizarre. La vache, il est trop fort, cadavre. Oh, 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 oh. Je joue au malin et je tombe dans le ravin. C'est ça. J'ai passé des choses là aussi. Witch. Ah, monsieur Dayonnet. Yeah. J'ai entendu le bruit. T'as oui. Entendu un push to talk? J'aurais pas dit ça, mais il y avait des choses, oui. Je crois que là, oui, la nitro. Oui. Ah oui, non, je confonds push to pass et push to talk. Je confonds la technique de parler dans le micro et le fait d'avoir un coup d'accélération à la voiture. Tout va bien, je confonds tous les push, ce que vous voulez. Push. C'est le sage derrière moi, le sage. Ah ouais. Une séance de dispute la dernière et l'avant-dernière place. C'est triste quand même. C'est le convoi des Nancéens qui ferme la marche. Oui. Je vois que tu prends aussi bonne vierge que moi. Ouais, une explosion, je sais pas qui c'est. C'est moi qui ai le talent, là, je sais pas pourquoi, pour cette session. De tout faire exploser, je sais pas, je projette des objets sur d'autres qui sont explosifs et boum. Alors que c'est pas mon intention. Donc au moins je suis sponsorisé sur ma voiture par les productions Michael Bay. Mais c'est pas de mon ressort là, enfin c'est pas de ma volonté, pardon. Pour être précis dans le propos. Ah mais c'est bien, t'arrives à te défendre, j'arrive pas à te rattraper, bordeloum. C'est une traction avant, je m'en sors beau. Oui, c'est bien, t'as trouvé tes aises. J'arrive pas à te rattraper, vous, Didio. Je vais l'avoir, le Nayonnais, c'est pas possible, il va gagner. Enfin, je vais être... Oui, enfin, par rapport à moi, on est entre Nancéens, hein, les autres, ils sont sur notre planète. Hein. Ils sont sur la planète Formula One. Hein. Comparez-nous. Non ! J'ai percuté des choses. Je suis humilié. Bah. Pardon, je vous lirai dans le chat évidemment à la fin de cette course folle. Au moins, Dayoné, t'es mis à l'honneur. Hein. On nous voit sur mon signal un truc de fou. Hein. Par contre, je mets pas l'honneur l'accélération de ma voiture. Ouais, bah au moins, je t'ai encore à vue. Pas pour longtemps, vu ce que je viens de faire. Oh, les salopards, ils ont déjà bouclé la course. Il est où, Dayoné? Il est où? Il est où? Pourquoi je le vois plus? Pourquoi je le vois plus? Je stresse. Il est loin devant. Aïe. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi, Régis. C'est scandaleux. Ouais. Ah. J'arrivais. Oh là là. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec Régis. Voilà. Ok. Je dois partir, donc... A plus, mais bonne fin de course à vous. Ouais. Mickey, bonne fin de course à vous. À tout à l'heure, bonne app. Je vais quitter. Oh là là, yes. Il y en a du monde. Ça t'a éjecté ou pas? Non, je suis avec tout le monde. Ok. Je suis avec donc t'es une nouvelle hôte. Le nouvel hôte, c'est cadavre. Mais c'est pas grave. Voilà. Eh ben, bon appétit à tout le monde. Et puis je vous dis peut-être à plus tard. Et bah, normalement, pour la balade, cet après-midi à 14h30, ouais, le sage. Un empêchement. Si je vois que tu viens pas, non. Je fais autre chose, mais... D'accord. Y a pas de souci. Je te préviendrai s'il y a un souci. Veux. Ouais, tu te manifestes quand tu veux. Oui, je crois allez, qu'il y a bon le chat appétit. À faim, dit Christella. Oui, le chat à faim. Oui. Bon appétit, salut. Allez, go, je continue avec les autres. Bon app. Michael Bay qui fait des films de chèvres. Non, sérieux? Il fait des films avec des chèvres, Michael Bay? Oh mon dieu. Push, dit Pop. Oui, Pop. Push.
Each time to lunch, c'est l'heure de déjeuner. Oh my god. Oui, bon app hein, pour ceux qui passent à table. Je sais toujours pas ce que je vais mettre sous la dent, moi, ce midi. J'ai une envie de pizzouille. La flemme de cuisiner. Alors, évidemment, ça me laisse plus de temps en votre compagnie. Mais j'ai une envie de, ouais, de quelque chose proche. Ah, j'ai une flamme cush aussi. Je crois que j'ai pris chèvre et chorizo. Oh, je dirais pas non, la pizza aux chèvres. Enfin, faut que je regarde les dates de péremption, que je fasse pas de bêtises dans ma gestion de miam. Qu'est-ce qu'ils m'ont écrit dans le chat? Non, je plaisante avec le réalisateur. Ah oui, son nom de... D'accord. C'était une vanne. J'avais pas compris. Je t'avais peu au mot. Avec Michael Bay et... oui, oula. Michael Bay. C'est ça que tu voulais dire. C'est une honte. Ah, ça me déconcentre dans ma course. C'est honteux. Deux fois plus honteux. Ah! J'ai failli me faire avoir pour la... Ah! Mais... Je percute le bidon et ma voiture devient instable et je peux plus tourner après. Voilà, je passe à côté du tremplin. Parce que trop dangereux. Mais qu'est-ce que ça... Ah, on m'interpelle dans le chat. Non, mais Réglisse, quoi? Oui, Réglisse, c'est le chat de Lyonnais. J'ai eu la chance de le voir en vrai. Le Réglisse, c'est un chat merveilleux. Il est beau comme tout. Tu es le plus beau des chats, Réglisse. Le félin de salon de Lyonnais. Oh la vache, très viril comme course. Là pour le coup, il y a de la tôle froissée. Là ça se castagne sur la piste, quelque chose de bien. Mais je peux difficilement me dépasser sans le toucher en fait. Je t'ai remis dans le droit chemin, ça va. Je te remets dans le droit chemin. Merde, oula, attention, j'ai voulu couper près du camion-pompier et ça a failli mal finir. Ouch. Wow, le salopio. Il m'a encastré dans le... dans la remorque. Non, je serai pas dernier. Non. Non. Alors, NDL... Ah oui, bois un coup. Merci. Mais en fait, Réglisse et Chat, je voulais qu'il te déconcentre le sage de Nancy, mais je me suis trompé. Tout à l'heure, à toute allure. C'est ça. Bien joué, les garçons. Good game. Wonderful. I don't know, sorry, I prefer take my lunch now. Je vais arrêter pour moi le jeu maintenant parce que je vais préparer mon miam. J'ai faim. Mais c'est cool, merci pour la session. Je veux bien me redire le nom du jeu, je sais que Captain Fun est sorti. Flat Out 2, mais normalement tu l'as dans l'habillage de ma chaîne. Il n'est pas inscrit en haut de mon écran. Attendez, je vois plus le... Mais si, c'est... Ah ouais, pourquoi c'est Far Cry? Bah! Attendez, j'ai un bug de mon interface. Autant pour moi, excusez-moi, mais... Bah alors? Mon interface a bugué. C'est Flat Out tout, pas Far Cry. Ah ouais, mon interface elle a bugué. C'est nul. Ouais.
Ah, je suis désolé. Bah. Oui, c'est flat out et tout. Attendez, je vais mettre just chatting.